pense que plus on va se rapprocher du timer de fin, plus ils vont te mettre des trucs. Eh oh. Eh, en vrai elle est bien foutue, j'en ai rien à foutre. Eh, t'es tout patate, moi j'y vais. Ils auraient dû mettre une meuf dégueulasse, j'ai pas compris là. Vous croyez que c'est parce que vous décapitez que je vais pas border? Ça m'a fait rire, je dois pas. C'était de la nécrophilie assumée, c'était horrible. Il y en a du texte, hein? Il faut dis donc. Tout lire. Faut tout lire, là? D'accord. Bonjour, nous sommes Jour et Joe. Déjà, Jour, c'est pas un prénom. C'est pas un nom, Jour, pour commencer. Ça commence super mal. Jour. Deux devs indés qui ont fait Don't Scream. Chaque cri que vous partagerez renforcera notre... Bon. notre implication. Ok. Et moi, j'ai une question pour toi. Oui. J'ai la réponse, mais je vais pas la dire. Vas-y, dis-le. D'après toi, c'est qui entre Jour et Joe qui a eu l'idée de mettre Teddy en photo? C'est marrant, mais là, comme ça, je pense savoir qui de Jour ou de Joe s'est dit oh, ça va être marrant de mettre Teddy en photo. À chaque fois qu'il y aura quelque chose dans le jeu qui nous fera chier, on dira est-ce que ça c'est Jour ou Joe? Before playing oh, screen, c'est Jour, non? Non, c'est Joe. La ferme, Joe. Et pourtant, ils ont pris le moins étrange des deux pour faire la vidéo. Je vais fermer mes volets, je vais éteindre ma lumière, je vais faire tout ça. On va régler ça. Allô? Bon, déjà, il en a rien à foutre de mon. Ah! Parle à voix basse en chuchotant. Ouais, voilà, et là, tu vas devoir parler comme ça tout le temps. Donc, c'est à dire que là, ok, ça. Ah, genre là. Ah, t'as parlé fort là. Attends, mais c'est pas un cri. C'est censé signaler un cri. C'est pas un cri que je suis en train de faire. C'est insupportable. Ok, baisse encore un peu alors. Ok, là je me sens plus à l'aise. Voilà, là je suis à l'aise. Mais voilà. Fais un petit cri de sursaut, mais petit léger, comme si tu faisais une petite genre. Bah tu cries fort. Un petit cri, mais pas fort. Bon, c'est parti. Si notamment j'ai envie de roter. Ah bah je sais pas comment ça marche, mais faut être discret. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de sortir de la forêt. C'est sûr? Non, j'en sais rien. Je peux pas normalement. Hein. Je crois que non. Allô? Si. Bah voilà. Ah si, regarde. Attends, c'est beaucoup moins sensible que... Bah là, oui. Que la... Va te faire enculer le jeu, là. Qu'est-ce que les couilles? Va falloir parler à voix basse. Bon, bah... Je savais pas que tu mourrais même quand il se passait rien, genre. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai... Ah bah oui, bah tu parles fort. Mais j'ai envie de parler, moi. J'ai envie de te parler, moi. J'ai... Oh, elle veut ton aide. Oh, trop tard. Dommage. Tu vas pas l'aider? Bah non, tu vois bien qu'elle est morte, c'est trop tard. Donc on va la laisser là. C'est de la SMR mais dégueu. J'en ai devant un cadavre. Je dois aller l'inventer. J'ai absolument rien fait, alors là c'est... J'ai rien fait. On va mettre un replay sur... Mais je pense que t'as pas tapé là. J'ai rien fait. Tu vois, il y a certaines consonnes. Genre les P. Les P et les T. Tu vois. C'est tous les P. Vas-y, dis patate. Patate. Non, pas le droit de rire. T'as pas le droit de Je peux pas rire. Putain. Bon, ok, j'arrête de rire. Ok, alors, j'ai un commentaire aujourd'hui. Je l'ai screené. Tu vas m'en dire des nouvelles. Commentaire sous la vidéo d'aujourd'hui. Bah oui, Logan, et vos gilets en l'air. Ça fait vraiment peur, votre manque de culture générale. Après, vous avez l'excuse d'être youtubeur et parisien. Ça aide pas. Je me lasse pas d'écouter votre crédulité. Je lui souhaite des très mauvaises choses dans la vie. Je lui souhaite un certain manque de chance. Et pas mal de tristesse. J'en ai un autre. Et celui-là, attends, accroche-toi bien parce que le compte service qui est méprisant nous prend pour des ignares alors que juste on l'a pas mis dans le best-of quand on le dit quoi. Alors, si je peux me permettre, pour les ignares, entre parenthèses, toutefois très drôle, donc tu sais, il met un petit compliment, tel que l'un qui était racide, l'acteur à 3.30 n'est autre que le créateur du studio Remedy, développeur d'Alan Wake, mais surtout de Max Payne 1 et 2. Il a pour habitude d'apparaître dans ses jeux. Je lui ai dit quoi à lui? Parce que t'as un sale ignare qui savait pas du tout. Mais on l'a dit. Salut. On l'a dit, oui, mais on l'a pas vu dans le best-of. Mais à un moment, on dit que c'est le mec de Remedy. On voit même sa tête. Oui, mais je sais pas si dans le best-of, on dit exactement que... Si on le dit... Mais ah, si bah, c'est un... Mais si c'est juste... Alors, c'est un juste contexte office, parce que moi, je suis dit, il a mis ce pavé parce que certainement qu'on dit qu'il est dans Max Payne, mais qu'on précise pas que c'est le... Ouais, mais... Bah, en plus, oui, il a vraiment une tête pas belle, mais Max Payne. Ah oui, bah oui. Et donc, le directeur de Remedy. D'accord. Donc, Ah, ok, d'accord. Oui. En fait, il a mis pause et il est venu nous insulter alors qu'il a même pas écouté le reste. Ce fils de pute. J'ai failli mourir. Pour l'instant, ça fait pas peur. Tu peux nous rappeler les offres en cours concernant Wankul? Le site Wankul. Bon, on recommence. Bon, pour l'instant, on est...
Non, mais t'es quand même mort 4 fois. Ouais, c'est vrai. Ok, on va faire un jeu, t'es prêt? Oui. Concours de beatbox commence. À toi. J'ai pas envie de jouer. Ça m'intéresse pas. On va rentrer même s'il y a du bruit. Ah bah là, c'est pas normal. Y'a quelqu'un. Eh, hey, ça a des 10 barres à l'air, attention. Hein. Fais voir. Ouais, c'est bon. Normal ça? Y'a quelqu'un derrière la porte. Oh la vache! Oh, j'ai juste tremblé. 70% du chat aurait perdu. Bon, sur le site Woncule, tous les 20 euros, vous gagnez une carte géante Halloween. C'est-à-dire que si vous achetez 20 euros, vous avez une carte. Mais si vous achetez 40 euros, vous avez deux cartes. Et c'est jusqu'à quand l'offre des cartes Halloween? Dans 2 jours. Bon, je vais l'aider. C'est jusqu'à vendredi à minuit. Oh, j'avais raison. Ils ont besoin de faire quoi pour que l'offre soit prise en compte? Rien. Genre du si tout. Là j'achète un truc. Ils ont juste à acheter. Y'a pas de code promo. Et y'a rien à faire. En espérant que les intérimaires n'oublieront pas de vous donner vos cartes géantes. Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent qu'ils ont commandé un display et qu'ils l'ont reçu là aujourd'hui et ils ont pas eu de carte géante? Alors qu'ils l'ont commandé la semaine dernière le display. La semaine dernière y'avait pas de promo, vous êtes cons quoi. Voilà. Voilà qui est réglé. Pour les deux qui ont mentionné en disant j'ai acheté un display quand je l'ai reçu, il n'y avait pas les cartes. J'ai acheté mon Big Mac à 6 euros. Fils de pute. J'ai rien dit, j'ai dit Big Mac. Bah oui, mais t'as vu Big et Mac. Putain, je peux gagner à ce putain de jeu, faut juste que j'arrête de parler. Donc tu disais quoi à propos de la comparaison avec le Big Mac? Bah rien. Oh voilà, attention. Je disais que si j'achète un Big Mac à 6 euros et que le lendemain il passe à 4 euros. Je vais pas aller voir McDo. Enfin, tu m'as compris. J'ai compris. Concernant la Paris Games Week, quel événement spécial y est? Il y a un stand à la Paris Games Week pour la carte Woncule. Et à ce stand, vous pouvez avoir d'autres cartes géantes exclusives. Non, vous pouvez avoir d'autres cartes exclusives, en fait, revisitées. Et il y en a 4. Oui, 4. C'est des cartes shiny. À partir de combien ils peuvent avoir une carte shiny? J'en sais rien, moi. Voilà. Ils ont qu'à aller voir au stand. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Ok. Et c'est jusqu'à quand qu'il y a le stand de Woncule à la Paris Games Week? Bah, quand la PHW s'arrête, le stand s'arrête, c'est logique, non? Il m'emmerde avec cette question. Et il est de quelle couleur le stand pour qu'on le reconnaisse? Il est rose, ce qui n'a aucun sens. Il est tout rose, le stand. Ça fait partie de notre identité, le rose. Vous savez, quand vous allez sur notre chaîne YouTube, vous voyez du rose partout. Tu peux me dire ce qu'on annonce dimanche? Bah, c'est un secret, non? C'est un piège. Non. Donc c'est pas un secret. C'est pas tellement un secret. Mais du coup, si on annonce maintenant ce qu'on annonce dimanche, en fait, on fait l'annonce maintenant. Non, parce que dimanche, ils pourront accéder au truc. D'accord, donc c'est pas une annonce dimanche. Bah si. C'est une sortie. C'est une présentation, une sortie, ouais. Donc là, c'est une annonce aujourd'hui, en fait. Non, enfin, je veux dire, ce sera une annonce officielle. Tu t'embrouilles un peu, là. Donc là, je peux faire l'annonce. Bah, tu peux te dire ce qu'on va faire dimanche, mais ouais, sans plus. Eh bien, dimanche, on sort Agro 2. Avec plus de skins payants. Et dimanche, on annonce la saison 2 des cartes Woncule. Et croyez-moi, mais Coco, elle est incroyable. Plus hype pour Agro 2. Ouais, mais les cartes sont jolies. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'Agro 2 est un pur banger. Vous pourrez jouer à 128 en même temps. Putain, la partie de fou. 128 autour du feu. En parlant de banger, le jeu est exceptionnel quand même. Y'a quelqu'un qui pleure, je vais aller l'aider. Comme t'as été la meuf accrochée à l'arbre? Moi j'ai essayé. Elle veut ton aide? Oh, trop tard, dommage. J'ai quand même énormément de courage. J'ai envie de me racler la gorge. Oh là, attention, si tu te la racles, ça va faire du bruit. Je me la racle tout doucement depuis 5 minutes. Quand c'est possible de se la racler doucement? Ça t'avalait mes glaires très doucement. Tous un bon coup. Oh, encore vous, je peux toucher. Putain, mais ça disparaît pile au bon moment. Faut juste je pense que cette mode Lost Media effet VHS s'arrête. Je pense que ça soit dans les œuvres audiovisuelles ou dans les jeux vidéo, arrête. Je pense que grâce à eux, ça va s'arrêter. C'est gentil. Merci les gars. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bah alors, ouais, ça cambre, hein. Puis c'est ce que je pense, c'est qu'à mon avis, Joe a eu l'idée du jeu et Jour a fait le jeu. Ah, c'est exact. Vu la tronche des gars, c'est exactement ça. Et je peux même te dire que c'est Jour qui a eu l'idée d'intégrer la meuf à poil décapité et les statues qui cambrent. Merde. Oh là. Je failli perdre. T'es
Et là, tu commences à les esquiver. C'est vraiment horrible ce jeu avec toutes ces femmes qui veulent nous attraper. Eh, y'en a qui subissent une tempête là. Ouais, les Bretons. Les Bretons. Attends, pourquoi ça bouge plus? Allô? Et allô? Allô? Ah non, me laisse pas tout seul. Reviens, j'ai peur maintenant. C'est bon, c'est de retour. Ne me laisse plus. Donc je disais oui. Il y en a qui se tapent la tempête, c'est les Bretons. Enfin, pas que eux, mais ceux qui prennent le plus cher, c'est les Bretons. On en prie à 130 km/h là déjà. Oh putain, ça décoiffe. Est-ce que finalement, c'est pas bien fait pour les Bretons? Eh, au fait! On espère que putain, ça va arracher tout leur drapeau. Tu sais qui a inventé le cidre? Je sais pas, les Normands. Bah ouais, du coup. Mais tu pensais que c'était les Bretons parce que les Bretons s'approprient. J'ai l'impression qu'ils s'approprient pas mal de choses, les Bretons. Ah ben on est bien d'accord. Les Bretons, dès qu'il y a du beurre dans une recette. Ah, c'est nous qui avons inventé la recette, hein. Pourquoi l'inclus shot? Mais il est con, lui. Toi, t'es bête. T'as pas compris, toi. Pourquoi ça bouge plus? Je sais pas, j'ai gagné. T'es censé retourner où, là? Aux shelters? Oh, c'est un truc de l'espace, ça. C'est une capsule Soyouz. Attends, mais rentre dans la capsule, je pense. Vous avez survécu à 64 cris. Ah ouais? J'en ai 64. J'ai survécu à tout ça. C'était vraiment terrifiant.